4000 de Luton devrait donner la vie une troisième fois durant les trois semaines suivantes qui arrivent. Quand Kat entrera en phase de travail, elle sera accueillie dans une aile privée de l'hôpital de Saint-Marie à Londres, où le prince George et la princesse Charlotte sont déjà nés. Elle devrait être assistée par une équipe de plus de 20 experts médicaux. On attend le nouveau bébé de Kat en avril, dans la deuxième moitié du mois. Les préparatifs de la couverture médiatique de la naissance ont commencé, des barrières pour éloigner la foule ont été montées dans la rue et des restrictions de stationnement édictées dans la zone. Les bookmakers croient majoritairement que Kat aura une fille et un grand nombre de parieurs a engagé des paris sur le sexe et le prénom du bébé. La maman espère sortir rapidement de l'hôpital. Le protocole est extrêmement codifié. La nouvelle de la naissance sera annoncée sur le Twitter et les comptes d'Instagram du palais. Un avis de naissance sera aussi exposé sur un chevalet, dans la cour du palais de Buckingham. Kat devrait pouvoir assister au prince Harry et le mariage de Meghan Markle le 19 mai. Le nouveau bébé royal sera cinquième dans la ligne de succession au trône. Crédit photo, best image.